Pour la pomme, nous allons utiliser l'outil Soft Selection de Maya. Je commence par une sphère, ensuite je vais dans les options de l'outil Move de Maya. Je vais dans l'onglet Soft Selection et je coche Soft Select. Cela active la fonction de sélection souple. Avec ces couleurs, nous pouvons voir l'étendue de la sélection souple sur notre objet. Et cette étendue est contrôlée par l'attribut Falloff Radius de Maya. En le réduisant, nous pouvons voir les couleurs changer sur notre objet. Et quand je diminue beaucoup plus, certains endroits ne sont plus touchés. Je vous fais une petite démonstration. Maintenant, j'attaque la pomme. L'outil marche aussi bien en mode face et en mode edge.